les filles, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois. Excusez mon apparence qui est similaire à la vidéo précédente, mais parce que j'essaye de faire plusieurs vidéos, Hugo dort, j'en profite, sinon je ne vais pas m'en sortir. J'ai vraiment trop de vidéos en retard, donc j'espère que vous me pardonnerez. De toute façon, pour vous, ça ne change rien. Ce sera toujours les lundis, mercredis et vendredis. Donc voilà, aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo CAD esthétique. Je sais, je suis chiante avec ce magasin, mais il est trop de la bombe. Pour 60 centimes, on trouve vraiment des aubaines. Ensuite, j'ai beaucoup acheté de gel UV parce qu'au lieu de 3 euros, ils étaient à moins 50% sur les soldes. Donc du coup, au lieu d'être à 3 euros, ils étaient à 1,50. Et ensuite, j'ai acheté des choses pour vous, donc que je ne veux pas vous montrer. Et je me suis acheté aussi un pack toujours à 3 euros en fait, qui était intéressant. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, toujours les swatchs ici. Il n'y a que les gels que je ne pourrais pas vous swatcher parce que... je pourrais vous montrer vite fait ce que ça donne. Mais vu que les emballages sont complètement opaques, comme ça on ne voit rien du tout. Donc je vous montrerai juste la pastille de couleur qu'il y a dessus. Voilà, voilà. Donc on commence tout de suite. Toujours les godets à 60 centimes. Celui-ci, je vous présente donc le Emerald Wave. Voilà, c'est un bleu tout simplement trop trop beau. 85 09 06 comme d'habitude. Il est vraiment pailleté avec des reflets, des paillettes bleues, un peu vertes, vert haut. C'est vraiment sympa. Je passe au or perlé. Donc celui-ci, c'est la référence 80 00 41. Et ça, vraiment, c'est un doré. Je pense que celui-ci en coin interne pourrait être sympa ou sur la paupière mobile pourrait être très très beau. Je passe donc à ce combo. Parce que je voulais le mettre avec le or perlé. C'est le Classy Green, donc c'est un vert, mais très très pâle. Et c'est la référence 850736. Très très joli, j'aime beaucoup. Je passe à un kaki, donc j'ai pris vraiment des couleurs qui allaient ensemble. C'est le Smart Kaki, le 850696. Et celui-là, c'est vraiment pour faire le coin externe, qui sera vraiment super sympa avec les deux que je viens de vous montrer. Et vu que les godets sont à 60 centimes, franchement, quand j'y vais et que je retrouve des références que je n'ai pas, en général, je craque dessus, quoi. Et pour le dernier, c'est le... parce que j'en ai déjà beaucoup, donc du coup, à un moment... je peux pas en racheter de nouveaux parce que je les ai quasi tous. C'est le gris bleu irisé, le 800256. Et celui-ci, c'est un gris bleu. Mais non, mais moi je trouve que c'est un gris vraiment très irisé, très très lumineux. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment une aubaine de trouver ces produits-là. Peggy Sage à 60 centimes, c'est vraiment une aubaine. D'ailleurs, je vous ai choisi un trio que je mets en concours, donc pas maintenant, mais dans le futur. Parce que comme je vous ai dit, maintenant qu'on a dépassé les 1000, je vais pouvoir de temps en temps vous faire de plus en plus de concours, et donc tirer au sort des gagnantes régulièrement, et je vous ai choisi un trio aussi à vous. C'est des références que j'ai testées, que j'apprécie, et je trouve que ce combo ira parfaitement bien, donc restez connectés, abonnez-vous ici pour être au courant de ce concours quand il sortira. Et donc, on va passer à autre chose. Hein. On va s'épancher. Donc ça, c'est un duo. Donc ça s'appelle Luxury Treatment. Et visiblement, c'est... je n'en sais rien. Je l'ai pris parce qu'il était pas cher. Ce duo, en fait, de shampoing conditionneur... que j'ai eu parce qu'il y avait de l'huile de caviar, du collagène, sans parabènes et sans pétrole. Donc voilà, c'est vu que c'est une innovation, je verrai bien ce que ça donne sur mes cheveux qui ont vraiment un manque d'hydratation en ce moment. Donc ça a l'effet Botox sur le cheveu. Donc je vais voir un petit peu ce que ça donne et puis je vous dirai quoi. De toute façon, je voulais le mettre en jeu, mais je peux pas parce que la boîte est complètement abîmée. Donc je peux pas vous mettre ça en jeu, c'est pas possible. Donc voilà, au moins je pourrais vous conseiller sur ce que c'est que ce produit et comment l'utiliser et comment ça répare ou pas les cheveux. Maintenant, on passe au gel UV. Donc du coup, au lieu d'être à 3 euros, ils étaient à 1,50 €. Donc pour les prothésistes ongulaires aux alentours de Reims, je vous conseille de foncer puisque c'est des gels qui n'ont pas besoin en fait de couche de finition. Il suffit juste de dégraisser et c'est fini. Sans résidus collants, super brillant. Donc voilà. Donc là, j'ai pris le Camel Chic. Donc je vous montre juste la pastille de couleur.
C'est un marron, marron chocolat clair. J'ai pris le Italian Red. Donc c'est un rouge qui tire sur le orange. J'ai pris le Antique Red. Donc ça, c'est plus un rouge bordeaux. Voilà. J'ai pris le Sparkling Navy. Donc celui-là, c'est un bleu, mais vraiment pailleté. Donc j'ai pas eu. Elle avait pas le nuancier pour déterminer quelle couleur c'était. Donc j'aurai la surprise. Il y a le Nautic Blue. Donc ça, c'est un bleu aussi. Un bleu marine. Je sais pas si vous verrez correctement. Et il y a le Preppy Gray. Donc le gris, quoi. Le gris. Voilà quoi, sympathique. Donc, étant donné que ces gels-là, à la base, coûtent entre 10 et 15 euros, voire plus, et que là, bon, il y a 7 millilitres, mais là, pour 1,50 € je ne me suis pas fait prier. La meuf qui est en train de ranger, non mais n'importe quoi. Et ensuite, on passe à trois autres gels que j'ai eus. Donc, ceux-là font, je crois, 5 millilitres, si je ne m'abuse. Voilà, 5 grammes. Et c'est des aimantés. Donc, il y a un aimant à l'intérieur qui est inclus. Là, pour le coup, c'est pareil. Hein, ils sont complètement opaques, donc je ne peux pas vous dire. Là, c'est un Magical Silver. Donc, c'est un gris. Hein, si vous voyez la pastille. Celui-là, c'est un Bright Earth. Donc, c'est un terre donc, qui tire vraiment plus sur le marron. Voilà. Mais ça, pour les French, j'adore. Et un Technicolor gel vitrail. Donc, par contre, celui-là est bleu. Et je voulais tester parce que les vitrail, c'est en transparence, je sais pas trop. Et c'est le Blue Ice, donc couleur un peu bleu glace. Donc, je voulais voir ce que ça donnait. Et voilà, bah c'est tout. C'est vraiment court hein, pour cette vidéo de CAD esthétique. Donc restez connectés vraiment pour le concours qui va venir. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao!